Bonsoir. Salam alaikum, shawal, tout le monde. Faudra changer la bonnette à la fin du tournoi. Une ferme à 10 vaches, c'était il y a longtemps. Du temps des grands-parents, des arrière-grands-parents. Une ferme à 10 vaches, c'était le bon temps. Une ferme à 10 vaches où on allait chercher du beurre et puis du lait. Du lait et puis du beurre. De bons œufs de la veille au cœur comme un soleil. Une ferme à 100 vaches, c'est déjà plus pareil. C'est déjà plus pareil une ferme à 100 vaches que 10 fermes à 10 vaches. Une ferme à 100 vaches, c'est des antibiotiques. Trop de vétérinaires, analyse critique. Il y a même des têtes de mort planquées dans la boutique. Une ferme à 1000 vaches, ça n'est plus une ferme. Ça n'est plus une ferme à 1000 vaches. Ça devient une usine, les vaches des machines. Une ferme à 1000 vaches, pour gagner de l'argent. Et encore de l'argent. Quand on avait fortune en vendant du bitume et qu'on veut plus de thunes. Une ferme à 1000 vaches, enfermée sous la tôle. Si c'est mathématique, ça n'est pas la même chose que 10 fermes à 100 vaches, une ferme à 1000 vaches. Une ferme à 1000 vaches, c'est pas qu'en Germanie. C'est pas qu'en Australie, c'est pas qu'en Bulgarie, c'est pas qu'en Roumanie, c'est là, en Picardie. Une ferme à 1000 temps pour tuer le paysan. Trop de produits chimiques, emprunt catastrophique, à tort ou à raison, une histoire de pognon. Une ferme à 1000 temps à comprendre le temps, qui use les semaines, qui s'abat sur la plaine. Une ferme à 1000 temps à comprendre que pourtant, ben une ferme à 10 vaches, c'est mieux qu'une à 100 vaches. Et 10 fermes à 10 vaches, c'est mieux qu'une à 100 vaches. Même si c'est toujours mieux qu'une ferme à 1000 vaches. Car une ferme à 10 vaches, ça rappelle le bon temps. Le temps du temps d'avant. Quand on prenait son temps. Le temps du temps d'avant.